J'espère que ça n'a pas été trop dur. Oh non, vous savez, c'est le job. J'ai créé une société qui s'appelle Love is Dead, qui propose à ses clients d'intervenir à leur place, qui n'ont pas l'envie ou le courage d'affronter les peines d'une rupture. Il a rencontré quelqu'un. Il se tape une salope. Alan vous quitte simplement parce qu'il ne vous aime plus. Nous, on fait pas durer le supplice, on tranche. Lucas nous a engagés pour vous dire qu'il vous quitte. Vous pouvez considérer dès à présent que vous serez seul. Je suis désolé, sincèrement, c'est mon agent le plus rude, c'est l'école russe de Love is Dead. Il y a de la nouvelle petite assistante et on m'a pas prévenu. Votre carte d'abonnement, Tony, prévoyait 10 ruptures ce mois-ci. Là, c'est la 11e. Allez, accordez-moi un extra. Je suis quand même un super client. Il y a déjà quelqu'un qui vous attend. Maman ? Bonjour, mon fils. Qu'est-ce que tu fais là ? Je vais quitter papa. Manque de sel, c'est ça, la chérie. Il met des chéris partout, c'est insupportable. Ne te plains pas, il y a beaucoup d'hommes qui disent chérie qui pensent connasse. Hein. Non, non, lui, il dit chérie, il le pense vraiment, ce con. Pardon, mais vous n'êtes pas là pour vous ? Jamais de la vie, je viendrai voir une conseillère conjugale. Je pense que ça marche pas sur moi. Bien sûr. Vous êtes prise ce soir ? Je sais pas encore. Vous avez une tenue de soirée ? Comme ça ? Bah, c'est parfait. À part la robe. Parfois, il y a des couples, c'est une obligation morale ou sanitaire de les traiter. Oui, cela peut arriver. Tu veux pas faire un break, plutôt ? C'est nul, les breaks. C'est trop gros pour ta mère, un break. De toute façon, t'es bien que t'as miné.